Salut, je m'appelle Steven Dacosta, j'ai 24 ans, je suis en équipe de France de karaté et je vais participer pour la première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo. J'ai suivi mon grand frère qui faisait déjà du karaté, donc mon jumeau et moi, on a commencé à 4 ans. Gabi à l'époque. Bah, après, on s'est perdu de vue, mais quand c'était baby karaté, quoi. Mont-Saint-Martin, dans ma ville, chez moi. C'est première finale des championnats de France. Parce qu'avant, ça a été très dur pour moi, le départ, les championnats de France et tout. J'étais très bon à l'entraînement, mais très nul en compète. Donc, ça a été le début d'une belle série, en tout cas. Même si je gagne pas la finale, mais début d'une belle série derrière. Prends un bloc-notes. Hein. Ah, là, c'est costaud. Bah ouais, plein. Caleçon de compète, liste de musique, la totale, plein de petits trucs, tu vois. C'est un peu tout. Après, c'est plus des rituels sans en être, c'est plus des habitudes, genre. Je sais pas, c'est du conditionnement. Cette fois, j'avais fait comme si, ou j'étais rentré de ce pied-là, ou j'avais fait telle chose. C'est plein de petits trucs, mais qui se passent que dans la tête. Donc, c'est dur à expliquer, en fait. Ouais, Ronda de Saltoré. Honnêtement, jamais, parce qu'en vrai, je pense que tu le choisis pas déjà. C'est pas un métier que tu étudies, c'est. Soit tu gagnes et ça passe, soit tu gagnes pas et c'est dur. Donc non, bah tu choisis pas en vrai. Aujourd'hui, je me suis jamais posé la question non encore. Ma plus grosse déception, c'est un championnat d'Europe où je perds au premier tour, alors que je pensais être dans les clous. C'est à 14 ans. Cadet moins de 52 kilos pour les championnats du monde en Malaisie où je finis troisième. Maintenant, tout de suite, Tokyo 2021. Donc bah, après la qualif, elle s'est finie il y a un an et demi, juste avant la pandémie. Moi, j'étais déjà qualifié. Et ça fait quoi? C'est un objectif de réaliser. Après, il reste. Je te dirais, ça fait quoi après les Jeux? Yeah!